Bonjour à tous et à tous, c'est Jack. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Tour de France 2013. C'est la 10ème étape de ce Tour de France avec la Movistar. Et comme vous le voyez au classement général, nous sommes bien maillot jaune avec Ruiz Alberto Costa qui est 7ème du général. Donc il s'est bien replacé suite à la 9ème étape. Alors écoutez, on va lancer cette étape. C'est une étape tranquillement pour les sprinters. On va envoyer quand même quelqu'un dans l'échappée. On va envoyer Plaza. Ok. Un baroudeur tranquillement. On va prendre. Bon, ça, limite, on s'en fout. Allez hop. Alors attendez, je regarde si tout bien enregistre. 37. Ok, c'est bon, ça me paraît bon. Et donc, on va jouer cette petite étape. Donc, on va envoyer quelqu'un dans l'échappée. Puis, on va disputer les sprints. Rien de bien compliqué. Si ça se termine en sprint massif avec Roras, j'ai quand même peu de chance. Donc ça serait bien que l'échappée aille au bout, on sait que dans ce jeu c'est plutôt possible, et ça serait bien. Bon alors par contre, ce qu'il faudrait qu'ils améliorent dans leur prochain Tour de France, c'est la durée de leur chargement, parce que c'est quand même abusé, 30 secondes d'un chargement, ça fait beaucoup. Allez, Plaza, donc t'es là, Albazini qui garde le maillot blanc à poids rouge, limite on s'en fout, on ira le récupérer dans les étapes de montagne. Allez, Plaza qui attaque. 8 secondes, bah normalement les gars, ils vont nous laisser partir. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Plaza qui a été longtemps maillot jaune de ce tour. Et donc bah là, il n'est plus maillot jaune, mais bon. C'est pas grave. Nous avons toujours Quintana. Et pour l'instant, nous faisons 10 étapes. Et les 10 étapes, je les ai fait en jaune. Donc c'est bien. C'est mon objectif de faire toutes les étapes en jaune, étant donné que j'ai le maillot avec Quintana. C'est possible, même si vu qu'il y a les contre-la-montre, ça me paraît difficile. Étant donné qu'il y a un contre-la-montre bientôt, je sais plus c'est laquelle, ouais, c'est la 11 ou la 12, je sais plus, 10ème étape, où il y a un contre-la-montre. Et avec le contre-la-montre, je sais pas, je pense pas que Quintana pourra rivaliser avec Contador ou même Froome. Donc ça risque d'être compliqué, mais bon, tout est possible, hein, et en espérant que ça va le faire. Bon, on va un peu se remémorer la mémoire avec le classement du maillot vert. Donc on voit que Roras a quand même, ouh la vache, il a quand même pas mal de points. Hein. Il a quasiment 60 points d'avance, il en a 55 pour être exact. Des points d'avance, non, il en a plus. Il en a plus. Il en a 65 et ça c'est bon. Ça c'est très très bon les gars. 65, attendez, parce que si je me trompe dans le calcul, vous allez vous foutre de ma gueule. Bah, je crois que c'est bon. On a tout vu, et Plaza qui a 10 minutes d'avance, 10 minutes 30 d'avance, c'est très très bien. Donc on est bien maillot jaune, maillot blanc, port rouge, il faudra qu'on fasse un petit effort avec Costa. Mais Costa, je pense l'envoyer dans quasiment toutes mes échappées de montagne, enfin toutes. Maintenant qu'il est 7ème, je ne sais pas s'ils le laisseront partir, mais faire un truc sympa avec Costa, ça peut se faire, ça peut se tenter. Maillot du meilleur jeune, bon bah Quintana qui a déjà 2 minutes 4 d'avance sur Van Garderen, normalement ça devrait le faire. Thibaut Pinot qui accroche un peu quand même à la 3ème place. Et après Talensky, 11 minutes, ça fait quand même moins. Romain Bardet, 15 minutes. C'est vrai que c'est pas très très réaliste parce que Bardet, en temps normal, il a fait un super Tour de France. Même Tony Gallopin. Bon, attendez, 7 minutes, on va se préparer à jouer parce que j'ai pas envie de me faire avoir. 5 km, voilà, on va jouer avec. Et l'écart diminue. L'écart diminue à 80 km de l'arrivée, c'est normal, vous allez me dire. Alors, non, c'est, je me trompe tout le temps de touche, c'est de l'abus. Oh, Roras, allez hop, on va jouer avec Roras. Histoire qu'on ait bien le temps, voilà. 9. Oh bah c'est bien, t'es déjà devant. Pour une fois que je dois pas remonter le peloton en catastrophe. C'est bon signe, c'est bon signe. Donc Valverde qui encadre Quintana, ça c'est cool, ils le font eux-mêmes, donc ça c'est bien. Très intelligent de leur part. Donc l'écart diminue quand même avec Plaza, donc c'est un peu inquiétant, mais bon, on essaiera au pire de gagner avec Roras, mais ça me paraît quand même compliqué. Le peloton qui ne roule pas très vite, et bah voilà, et bah je devrais quand même remonter le peloton parce que je fais le con. Je fais le con, je fais le con, je fais le con. Oh là là. Je parle et je suis pas attentif. Du coup, je vais utiliser de l'énergie pour remonter en haut du peloton et ça, c'est mauvais. Laissez passer. Et excusez-moi, pardon. Il fait quoi, Lucas Traviero? Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Allez, laisse-moi passer, s'il te plaît. T'es beau, t'es gentil. Ben, j'ai l'impression qu'il doit me couvrir. Bon, c'est pas grave.
Allez, c'est bien. Maintenant, on va essayer de pas se faire avoir. Donc, Kittel qui est présent, Cavendish qui est présent et Kittel, Greipel. Greipel qui doit être présent, il y a le train. Oui, Greipel, il est là. Quintana qui est bien placé. Plaza, 6 minutes d'avance. Bah, pourquoi pas? Bon, normalement, là, ça devrait y aller. Mais on voit qu'ils sont très bien organisés comparé à moi. Mais bon, on va essayer quand même de faire un truc plutôt cool. Je vais juste me mettre entre les trains. Voilà. Et je lancerai le sprint quand eux ils le lanceront, histoire de ne pas perdre trop de force non plus pour le sprint final. Même si bon, on a le temps de voir ça. Costraviero qui me colle, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Vous allez voir, comme un connard, il va sprinter avec moi. Bon. Hein, j'en demande pas tant. 2 km. 1 km. Tranquillement, premier plateau. 1 km 6. Allez, 1 km. On va sprinter. On va assurer le sprint intermédiaire, étant donné que le sprint final. Je suis pas garanti de le gagner, hein, étant donné qu'il y a des meilleurs sprinteurs que moi. Autant déjà assurer celui-là, et ben je l'assure pas du tout. Je l'assure pas du tout. Tata, Kittel qui me devance. Kittel qui me devance. Ouais, non, je suis passé sur le petit plateau parce que je les voyais pas derrière moi. Et d'habitude, je gagne haut la main. Et là, bah, Kittel m'a devancé. J'ai eu le temps de repasser sur mon grand plateau pour redevancer Cavendish, mais c'est une petite erreur de ma part et j'aurais repris un peu de points. Bon, vous allez me dire, on n'est pas à 2 points près. C'est vrai. On n'est pas à 2 points près non plus. Mais quand même. Mais quand même. 67 km de l'arrivée. 6 minutes 30 d'avance pour Ruben Plaza. Si c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ruben Plaza, bien évidemment. Bon, c'est bien. J'ai pris 2 points sur Cavendish, qui est mon principal rival. Kittel est loin, il me semble. Kittel est loin. Kittel, Kittel, Kittel. Ouais, Kittel est très très loin. J'ai quasiment plus de 100 points d'avance, du coup on n'est pas à 2 points près. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas catastrophique. Donc là, 41 km de l'arrivée, 3 minutes 30. S'il y a 15 km, il y a plus de 2 minutes, j'aurai avec Plaza et ça devrait le faire. Regardez-moi, ça, l'écart diminue, mais enfin non, l'écart augmente un peu. Même. Ouh là 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 là, c'est possible pour Plaza. 4 minutes, 3 minutes 50 et quelques, c'est très possible. C'est plausible. Et eh bien écoutez, je crois que je vais même jouer avec Horace. Je vais jouer avec Horace pour le sprint. Attendez, on va voir. 2,50, 2,25, 9 km, 1 minute 37. Alors je fais quoi? Je serais tenté de le tenter avec Horace et de laisser Plaza gagner tout seul, mais on sait jamais. Et peut-être qu'il va se faire rattraper, peut-être qu'il va se faire rattraper, et ça serait mauvais. Ça, s'il se fait rattraper, ça serait vraiment mauvais. 1 minute 15, 8 km, non, 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 ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire, ils vont pas nous. Bon, vous savez quoi? On va jouer avec Horace. En espérant que Plaza va gagner, et comme ça au moins vous verrez un petit sprint bien sympathique. Alors attendez, il y a des chutes, on va voir, il y a qui. Donc ça va, il y a tous les maillots. Fuglsang, lâché. Non, bon ça va, il n'y a pas de grand nom lâché. 7 minutes, 1 minute 13 d'avance pour Plaza, et ça me paraît bon, ça me paraît bon. Quintana, fais pas des efforts comme ça, mon grand, fais pas des efforts pour rien. Bon, c'est pas grave. On va prendre un peu pour avoir la barre jaune au taquet. Et on va essayer de tenter un putain de sprint. Et si on pouvait s'imposer en sprint massif, ça serait cool. Ouh là là, les gars, là, 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 ça avance un peu vite. On va essayer de pas se faire décramponner, d'accrocher le train le plus haut. Ou les trains qui se mettent en place, j'aime pas ça. Ouh là là, on est tendu. En espérant que Plaza fasse le taf. Fasse le taf. Plaza, faut que tu fasses le taf, mon grand. Si je pouvais suivre un train, ça serait plutôt cool. 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. On va prendre une dernière énergie comme ça, au moins. Je me ferai pas avoir. On se met au taquet. C'est le moment où jamais. 3 minutes. Oh putain, j'espère que ma vitamine, je l'aurai fini de la bouffer. Comme ça, je pourrais sprinter. 2,5 km. Tu te mets en marche, de Gamecube. Tu te mets en marche, tu te mets en marche. Moi aussi, je me mets en marche, tranquillou. Tranquillou. Tranquillou, allez, les gars. On sprint tôt, mais c'est possible. On sprint tôt, mais c'est possible. Plaza, là, vous le voyez. Plaza gagne. Plaza gagne, s'il te plaît. S'il te plaît, Plaza, vas-y. S'il te plaît, Plaza. Oh non, 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 je vais pas gagner. Je ne vais pas gagner. Je ne vais pas gagner. Et je me fais baiser. Eh merde. Oh, pardon, excusez-moi. Trop de vulgarité en moi. Oh non, 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 non. Grippe les camions. Oh là 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 là. Oh là là. Catastrophe. Catastrophe. Catastrophique, mon sprint. Oh là 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 là. Catastrophique. Bon, Benati, très grosse surprise. Kittel qui se relance pour la course au maillot vert, qui se relance. Cavendish qui me prend quand même des points. Et ouais. Oh non, non, j'ai mal sprinté. J'ai très mal sprinté et j'ai surtout pas gagné l'étape parce que j'aurais dû assurer Plaza. Parce que si j'avais contrôlé Plaza, on aurait gagné cette étape avec Plaza.
Ah non, 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 je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on peut pas toujours gagner. C'est vrai que j'ai un début de Tour de France avec la Movistar très bon. Et là, j'ai tenté quelque chose, mais c'est vrai que Roras, comparé aux autres sprinters, c'est pas trop ça. On voit que Cavendish m'a repris 2-3 points et pas la mort. Kittel revient, mais bon, il avait 100 points de retard, maintenant il en a plus que 70 à peu près. Ouais, bon. C'est pas la mort, c'est pas la mort. Même si on voit que Cavendish, Goss, Kittel, Greipel et Sagan sont vachement serrés pour le maillot vert. Mais bon, on a toujours tous les maillots, mis à part le maillot blanc en point rouge. Donc qu'on va essayer de récupérer avec Costa. Mais ouais. Bah écoutez, je m'excuse parce que j'ai fait un sprint plutôt nul. Mais bon, ça m'arrive, j'ai gagné quand même la majorité de ces dernières étapes. Et bah écoutez, on peut pas gagner à chaque fois. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Notamment dimanche avec la 11e étape, c'est Tanja Killer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce vert, ça me fait plaisir. Ciao tout le monde!